Depuis la rentrée de septembre, nos réveils se sont mis à sonner de plus en plus tôt pour nous permettre de reprendre le chemin de l'école où je travaille. Souvent, nos téléphones sont remplis de réveils, un pour la prière, un autre pour le travail, au cas où on ne s'est pas levé pour prier, etc. Aujourd'hui, nous allons donner 5 astuces pour pouvoir se lever pour la prière et pourquoi pas la prier à la mosquée pour les hommes comme il est demandé dans notre religion. Plus vous serez nombreux à vous abonner à la chaîne et plus YouTube fera monter le contenu religieux en avant. En s'abonnant, vous participez à votre manière de propager l'islam et le rappel autour de vous. On compte donc sur vous pour vous abonner et activer la cloche de notification. Premièrement, connaître son mérite. Pour être motivé par quelque chose dans sa vie, encore faudrait-il en connaître le mérite. Imaginez-vous que l'on propose à un petit enfant un sac plein de bonbons et un autre plein de billets de 500 euros. Vers quel sac se dirigera l'enfant à votre avis? À coup sûr, il va se ruer sur les bonbons et délaisser les billets. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne connaît pas la valeur de ces derniers. Pour lui, les bonbons, c'est largement mieux que l'argent. Et eh bien, c'est un peu notre cas à nous aussi qui préférons souvent dormir plutôt que de nous réveiller et prier. Le sommeil est doux et confortable. Il est reposant et il est dur, très très dur de se lever alors qu'on est bien au chaud. Et pourtant, la prière est bien meilleure que tout ce confort et cette douceur du sommeil, et si on ne le comprend pas, c'est qu'on est un peu comme cet enfant qui préfère les bonbons aux billets. C'est d'ailleurs pour cela qu'on répète à chaque fois durant la danse du matin « As-salatu khayrun minan naum », ce qui veut dire que la prière est meilleure que le sommeil. Comme s'il était nécessaire de le rappeler à tout le monde à chaque adhan du sommeil. Oui, la prière a beaucoup, beaucoup plus de mérite que le sommeil. Deuxièmement, connaître sa récompense. On ne peut connaître le mérite de cette prière bénie et importante du matin sans en connaître la récompense auprès d'Allah. Ceux qui se lèvent et font l'effort de prier disposent de récompenses énormes auprès d'Allah. Troisièmement, se coucher avec l'intention de se lever. Quand tu te couches, mets la forte intention de te lever pour prier. Parle avec Allah au fond de toi-même. Quand tu fermes les yeux, demande-lui sincèrement du plus profond de toi de t'aider à te lever pour cette prière. Quatrièmement, avant de dormir. Un moyen efficace et peu connu de savoir si on va se lever facilement pour la prière est de regarder ce que l'on a fait avant de se coucher. Oui. Quand on est en train de rejoindre le royaume des morts et que le doux sommeil est en train de nous prendre, à quoi pensons-nous? Certains sont en train de penser à leur bien-aimé qui se trouve loin et avec qui ils ont échangé plein de messages avant de dormir, ou de s'imaginer dans une île tropicale sur du sable blanc en train de profiter, et d'autres pensent à Allah. Mon frère, ma sœur, si avant de dormir tu passes ta nuit à envoyer des messages ou discuter avec je ne sais qui parmi les gens qui te sont étrangers ou à regarder des vidéos totalement inutile, alors ne t'étonne pas si le lendemain, tu n'arrives pas à te réveiller. En effet, quand tu t'endors, tu plonges dans le royaume des morts et ton âme sort de ton corps. Au réveil, elle revient à toi et elle revient souvent sur l'état dans lequel elle est partie. Donc, si tu veux te lever en adorant Allah, c'est simple. Endors-toi en adorant Allah et en pensant à lui. Fais toutes les invocations à faire avant de dormir. Lis le Coran et effectue tout ce qui est recommandé de faire. Avant de dormir, il existe beaucoup de choses à dire et à faire en se couchant. Cinquièmement, craindre de la manquer. Le musulman se doit toujours de vivre sa religion entre la crainte et l'espoir. La crainte, c'est la crainte qu'Allah le punisse pour ses péchés et ses manquements. Alors que l'espoir, c'est qu'un jour, Allah lui pardonnera et le récompensera pour ses efforts. On a vu dans les points précédents les avantages et les récompenses de cette prière pour se motiver et avoir de l'espoir. Et pour la crainte, il faut alors avoir peur de manquer la prière et se dire que si on la rate, alors il est totalement possible qu'un châtiment d'Allah puisse nous atteindre. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas de prière plus difficile pour l'hypocrite si ce n'est la prière du Fajr en groupe et celle du Aïcha. Et que si les hypocrites en connaissaient le mérite, alors ils iraient même en rampant. Une autre parole fait aussi froid dans le dos, celle du compagnon Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, lui et son père, qui affirmait que si un homme manquait la prière de l'aube ou du soir à la mosquée, alors il n'avait pas une bonne image de lui et n'avait pas confiance en lui. Subhanallah. Manquer donc la prière du matin en groupe pour les hommes serait un signe de l'hypocrisie du cœur et un indicateur de manque de fiabilité. Ça fait froid dans le dos, surtout quand on sait qu'Allah a dit « Innal munafiqin fi d-darakil asfali minan nar ». Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, en espérant qu'elle vous plaise inshallah et qu'elle vous soit bénéfique. Si vous avez d'autres conseils à apporter, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.
N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo autour de vous et pourquoi pas à la regarder à nouveau de temps en temps quand vous sentirez que vous avez de nouveau besoin de motivation. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Janna TV et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.